Hello tout le monde, c'est Thibaut Bobo et on se retrouve pour la suite de Mario 64 Hidden Stars. Donc voilà, on avait terminé le sous-sol. Ah oui, puis d'ailleurs, toutes les portes sont ouvertes. Absolument toutes les portes sont ouvertes. Voilà, et puis on va aller au 10e niveau. Attendez, non, c'est quelle porte? 10e niveau qui se retrouve là, si on ne me trompe pas, c'est le Royaume des Neiges. Si je me trompe pas, c'est celui-là. Ouais, Snowman's Land. Let's go. Pa la pa la pa. La 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 la. Ok. Oh, bah il y a déjà une étoile là-bas. Les niveaux comme ça, ils adorent mettre genre une étoile vraiment dans le coin, quoi. Vraiment dans le coin de la map. Ils adorent faire ça. Bon, ça me dérange pas, hein. C'est pas très dur à récupérer. Voilà, ça met en place la technique du coup de pied, donc en vrai c'est cool. Et on a 64 étoiles. Pala pala pao. Ok, ah, j'ai cru qu'il y avait une étoile, en fait c'était l'ombre du Maskass. L'enflure. La la la. Papa papa la papa. Ok, je regarde s'il n'y a pas d'étoile ici. Hein. Pourquoi il y a beaucoup d'hélico Maskass? Normalement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas autant dans ce niveau. J'allais dire, il n'y en a pas tout court. Si, je crois qu'il y en a un ici. Mais c'est tout. Ok, et parapapao. Ok, alors attendez. Lui, j'aimerais juste le tuer en fait. Mais tue pas. L'enflure, j'ai plus assez de PV. Oh, j'ai vu une étoile, ok. C'est un mal pour un bien, c'est une mort pour un bien parce que j'ai vu une étoile. Mais je voulais juste le tuer hein, de base, mais bon. Pa 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 pa. Donc attendez, on va aller là-bas. Ah, ah. Voilà, ici. Magnifique. Bon, pas dur à récupérer du tout. On pouvait même y aller en nageant au pire. Mais elle n'était pas forcément évidente à remarquer. Voilà. Para 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 pao. La 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 la. Papa, para. Ok, alors attendez. Là, cette fois. Ouais, voilà, regarde. Vous avez vu? Je sais pas si vous avez vu. L'enflure. Attendez. Hop là, voilà. C'est pas trop tôt. C'est ça que je vais faire depuis tout à l'heure. En fait, il y a une étoile. Ici. Et en fait, je voulais juste vérifier si on n'avait pas là. La blague, je me suis fail. Et je voulais faire un triple saut par exemple de base. Hein. Voilà. Je vais faire ça, c'est tout. Ok. Les pièces bleues, ça va pas être très compliqué en vrai, je pense. Quoique. Ça dépend où se trouve l'interrupteur en fait. S'il y a des spots en fait. Si c'est tout en haut. Ah, attendez. On va faire ça. Pa la la la. On va aller là-bas. Ah, il est là. D'accord, ok. Alors, attendez. Je réfléchis qu'il n'y ait pas d'autres étoiles, genre au-dessus là. Alors, ici, non. Ok, bah il y a deux étoiles là. Ok, alors attendez. Il y en a deux. Après, il m'en manquera une. Ok, il n'y a pas d'étoile là. Hein. Non, ok. Ah, ok, c'est bon, j'ai vu. Ok, bon, bah first try. Ok, je m'attendais à ce que l'interrupteur il soit soit dans l'igloo,
Soit vraiment tout en haut. Parara, papa. Vraiment tout en haut, genre de bah, du bonhomme de neige en fait. Le gros bonhomme de neige. Pam, 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 pam. La la la. La la la. Bah du coup la dernière elle est sûrement dans le dans l'igloo. Très certainement. Donc il y en a deux qui sont Ah il crache quand même du vent. Ouais, d'accord hein, mais. Bah comment j'y vais moi alors? Non, attendez. Bah non, ça passe pas. Ok. Alors, je sais pas quelle étoile là c'est est sélectionnée, mais attendez. Non, là il y a pas de hibou. Ok, je sais qu'il y a un hibou ici, mais sur la version DS. Mais je sais pas sur c'est sur cette version là il y est ou pas. Pa-da-pa-da-pa-da-da. Vraiment, je sais pas du tout. Ça le problème. Parce que là, pour aller au-dessus, ça va être chaud, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Papa, papa, ou... Bah, et puis même dans l'igloo, enfin. Ok, bon, bah, je vais tester des trucs. Bah, attendez, pour l'igloo, en fait, je vais passer par là. Peut-être qu'avec le coup de pied ça va passer. Avec la technique du coup de pied je veux dire. Ouais ok ça passe, ça passe, ça passe. Bah écoutez. Let's go in the igloo. Please. Mais what? Et il avait pas envie d'y aller hein. Ok. Je sais pas où elle va être l'étoile par contre. Elle va être dans un spot qui se voit pas hein, pour sûr. Ok non, pas ici. Toi dégage. Ah elle est là, ok c'est bon. Let's go. Ça va. Elle était vraiment genre dans le coin et à moitié... Enfin, il y avait les trois quarts de l'étoile dans le mur, quoi. Donc, ok. Maintenant. Les deux prochaines étoiles. Elles sont vraiment... Derrière le bonhomme de neige. Enfin, faut que j'aille tout au-dessus, en fait. Mais le problème... C'est que le bonhomme de neige, eh ben, il souffle. Et la maman pingouin, elle est pas là. Alors, attendez. Je vais essayer un truc. On va repasser là. Mais what? Mais pourquoi il se téléporte comme ça là? Ça va pas? Donc en fait on va repasser comme ça. Je vais pas récupérer les pièces là. Au cas où j'ai besoin de revenir. Ah mais non, mais je pensais que je pouvais aller jusqu'à là-bas sans... Ah non, en fait non. Je pensais que je pouvais aller jusqu'à la fin du passage. Mais... comment dire? Let's go! Ok, ça marche. Magnifique. Ouais, je pensais que je pouvais aller jusqu'ici en fait. Mais à partir de l'igloo, en fait, non. Papa là là. Papa, 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 papa. Ok, ah, il y a une étoile juste là.
D'accord, alors attendez, on va déjà commencer par celle-là. Et... on commence pas à me faire nimp. Ça va, ok. Celle-là, c'est tranquille. Et puis la dernière, si je me trompe pas, elle est tout derrière. Elle est vraiment genre derrière le bonhomme de neige, genre derrière sa tête. Donc, ok. En vrai, ça va, c'est pas si dur que ça. Là, ça va. Ok. Pa, 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 pa. Ok. Pa, 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 pa. Ok, alors attendez. Ok. Ah, la blague. Je me suis complètement fail. Ouh, j'avais réussi. Ah, la blague. C'est vraiment une blague, j'avais réussi. Mais en fait, oui, le saut est faisable. Hein. Vraiment passer complètement au-dessus de son courant d'air, là. Enfin, de son souffle. Je me suis fait. Mais ok, c'est pas grave. Mais oui, c'est possible en fait. Alors attendez, j'aimerais voir un truc. Je vais sélectionner genre, vas-y, la dernière étoile. Mais pas la première. Parce qu'en fait, j'aimerais voir si ici, il y a un hibou. Il n'y a pas de hibou. Ok. Donc je pense qu'il a été rajouté dans la version DS. Mais là, il n'y était pas, ouais. Je pense très clairement. Sinon, il aurait été là, surtout à la dernière étoile. En général, les trucs comme ça, genre, bah, par exemple les hiboux, ils apparaissent pas, genre, la première étoile, la deuxième, peut-être la troisième. Mais après, pour les autres, ils apparaissent en fait. Donc, ouais. Alors, attendez. C'est vraiment une blague. En fait, faut vraiment sauter sur à la frame près. Avant qu'il lance son dialogue, genre. C'est passé! Je m'en fous, c'est passé! Ok. Nice. Ah, mais faut que je sache où elle est maintenant, l'étoile. Tu me trompes pas, elle est par là. Hein. Je l'ai vu! Par contre, me fais pas nimp. Ouais, ok, c'est bon, je l'ai vu. Je l'ai vu un peu en bas à droite, là, mais... Ok, alors, attendez, on va faire ça. Let's go! Je voulais vraiment me mettre sous cet angle de caméra, histoire que je puisse bien orienter mon saut et voir l'étoile un peu à l'avance. Et ça a marché, écoutez! Donc voilà, le royaume des neiges, et bah écoutez, c'est out. Dommage, il n'y a pas le tableau là de Luigi et puis de Wario dans le miroir, hein, pour ceux qui ont la ref. Mais écoutez, ouais, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce royaume-là. Franchement, il était pas très dur. Honnêtement, voilà, il était vraiment pas dur, pas très compliqué à comprendre non plus, c'était pas dur à trouver, voilà. Je pense que c'est surtout les étoiles en haut du bonhomme de neige qui pouvaient être un peu relou. Vu qu'il n'y avait pas la maman pingouin là pour nous protéger du souffle du bonhomme de neige, bah c'était plus compliqué. Et puis après, même les sauts devaient être quand même un peu précis, donc bon. Mis à part ça, franchement, ça allait. Mais ouais, écoutez, voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis voilà, ça sera super nice. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager. Ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. C'est très important. Et donc voilà, donc sur ce, partout au bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao.